Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on va jouer à Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va plutôt pas mal, dernier épisode pour ma part aujourd'hui parce que je suis un petit peu, voilà. Aujourd'hui j'ai fait des trucs fun, aujourd'hui j'ai fait du CS, aujourd'hui j'ai fait du standalone. Et on va finir sur Phantom Pain. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué au jeu, mais c'est un jeu, voilà, que j'ai accroché depuis, pas depuis le tout début, mais depuis quelques épisodes, et franchement j'aimerais bien reprendre, quoi. J'aimerais bien reprendre parce que juste trop stylé. Juste trop. Vous pouvez aller. Ok. Alors, petit rappel des commandes rapides parce que je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien, c'est horrible. Ouais, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Comment on fait pour les armes déjà? Putain, je sais plus. Je sais plus rien. Ok, il fait pas le knock-knock avec autre chose. Oh, très bien. Alors promis, je suis même allé faire un tour dans les options, hein, mais ça c'était le jumet, ça je m'en souviens. Putain, comment on fait pour ces armes? Ah, avec un, c'est ça. Grenade à main, blablabla. Ok. Alors, voyons voir. Modbase, recherche et développement. 29 sur 30, 17 sur 30. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Boss, welcome home. Morale du personnel augmentée. Bah, ça fait plaisir. Non, c'est bien. Je suis largué les amis, je ne sais plus. Specify a project. Ah ouais. Please specify your project. Boss. Thanks for saving that cute little puppy. Conditions de développement remplies. D'accord. Ah ouais, c'est ok, on va y arriver. Alors attends. PIM 700. Ah oui, j'ai 297 000 PIM. Ok. Ça va. Donc ça, c'est notre pistolet Zzz qu'on a maintenant. Pistolet mitrailleur. Ah ouais, intéressant. On peut pas débloquer encore parce que je ne sais pas pourquoi. Niveau de l'équipe de renseignement. Ah ouais, d'accord, c'est ça le problème. On a personne dans l'équipe de renseignement, visiblement. Ok. Alors celui-là, il faudrait qu'on le recherche aussi. Visiblement, ce serait ok pour le rechercher. Au fait, ouais, donc d'accord, il y a plein de choses qui se sont rajoutées en fait. Très bien. Unité de soutien améliorée. Ok. Très bien, pourquoi pas. On va voir, c'est quoi ça? Du C4, ok. La caisse, la fameuse, souvenez-vous, dans les autres trucs. Ah, ça y est. Please select a drop point. Supplies requested. Supply drop complete. Ok, il y avait d'autres choses encore, non? Please specify a project. Il est où le... Please select a drop point. Ah, impossible d'envoyer une nouvelle requête tant que l'autre n'est pas... d'accord. Pas de problème. La caisse vient juste de me tomber sur la gueule, tout va bien.
J'adore. Ok, donc très bien. On a récupéré ça. Maintenant, on va récupérer encore rapidement l'autre truc. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on pourrait débloquer, en fait. Bon, c'est pas ouf. On n'est pas obligé de le faire maintenant, tout de suite, dans l'immédiat, quoi. C'est pas nécessito. Alors, on va juste bouger, par contre, le temps 2. Hop, tu tombes dans les pommes. Est-ce que je peux prendre ton arme du coup? Ah, je peux. Mais je ne vais pas le faire. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore là? Dans la Mother Base. Gestion des ressources. Voyons voir. Je me souviens plus de rien, les amis. Hein. Je suis désolé. Donc, on va prendre quelques minutes juste histoire de jeter un coup d'œil un petit peu à tout. On peut vendre, d'accord. Ce qu'on fera pas. Matériaux raffinés, matériaux bruts, plantes médicinales, ouais. Armes placées, véhicules, d'accord. Ok, gestion du personnel, voyons voir. Ouais, ça c'est un autre truc encore, je ne sais pas trop comment ça marche. Staff assigned. Voilà. Unité de soutien, cellule, les gens qui sont en cellule, on sait pas trop pourquoi. Bah bon voilà, tout le personnel cellule, unité de soutien, unité de recherche et développement. D'accord, franchement je sais pas du tout. Cyclopédie, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pas la moindre idée. Bon, s'il y a des choses que vous savez les amis et que vous voulez partager, bah n'hésitez pas à le faire parce que franchement, ça me fera plus que plaisir. Ça c'est les matériaux raffinés, tralala, tout ça, c'est pas important. Bon, on va y voir un peu la mission là. Largage d'approvisionnement. Armes, objets, matériel, munitions. Please select a drop point. Combien ça coûte ça? Ah, 1300, ouais. Supplies requested. Supply drop complete. What else? Mission, liste des missions, cassette, ok. On va voir la liste des missions. 1 sur 2. Vous avez complété la mission sans activer le mode réflexe. La voix du héros. Imne les commandes des agents de Spetnaz. Ok. Bon. Et maintenant, comment fait-on pour repartir en mission? Ça, je ne sais plus non plus. Le mec, il ne sait plus rien. Oui, oui, absolument. Mais c'est pas... Oh, voilà. Farming villages in southern Vahan have been subjected to a strategic bombing campaign the past several weeks. The damage is spreading. It's part of the Soviet scorched earth operation aimed at wiping out the guerrillas. The target this time is the commander of a Spetsnaz detachment. He's been key to the operation's success. People say this guy's responsible for annihilating the Mujahideen at Dismasi Laman, the Hamid fighters, overnight. He's a tough, experienced commander. Don't underestimate him. The order from my client in the West is to shoot on sight. Yeah, ça c'est bon ça. Out of the picture for good. Sorry, boss. This one's purely business. Wet work. A hit on a commanding officer of the Soviet military. Nothing personal. We're only doing this because it gets us one step closer to our goal. Et alors pourquoi la zone d'opération différente accepte la mission du centre de commandement aérien? Accepter la mission du centre de commandement du centre de commande aérien. Et où est-ce que je trouve le centre de commande machin de l'aérien? Je sais pas du tout.
Comment on fait? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je suis pas complet. Merde, non mais sérieux, comment on fait pour lancer cette mission? Putain, assaut, sans blague. Comment on fait? Non, je sais plus. Point de livraison, oui, ça c'est d'accord, oui. La douche, c'est très important, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, ma foi. Ah, hélicoptère peut-être? Rendez-vous? Ah, ça doit être ça. Il est tout louche mon personnage, il est tout louche. Ah peut-être qu'il faudrait passer à la douche en fait. Histoire de se... Non mais faut pas... Je sens qu'on va s'éclater. J'arrive tout de suite hein, juste une seconde, désolé. Voilà, parfait. Au moins on ressemble à quelque chose là. Allons-y. Ouais, c'est ça, fonce. Très lourd, je le laisse en plan là-bas. Ouais, vous me le révélerez plus tard, les gars. Allez, ciao, on s'arrache. N'importe quoi. Alors, avec ces nouvelles jumelles, je crois que je peux détecter le niveau maintenant du personnel. Donc, on va pouvoir mettre du personnel de haute qualité ou de plus grande qualité plutôt dans notre mod base. Je pense, en fait, je ne sais pas du tout. Non, j'ignore parce que je me rappelle plus. Tout simplement. Voilà. Au moins c'est dit. Je sens qu'on va s'éclater dans la mission parce que je pense aussi que je vais certainement merder beaucoup de choses. Il faudra pas m'en tenir rigueur, ok? C'est pas... voilà, hein. Je n'ai pas fait de ce jeu, enfin je n'ai pas joué à ce jeu depuis un très long moment. Et l'achèvement global est encore à 3%, donc bon. C'est le seul bonus du jour, accepté sur les écrans de récompense. Écran de récompense. Ah bah voilà l'écran de récompense. On a gagné quoi? Tout ça? Sérieux? Waouh, cool. Accepte toutes les récompenses bien sûr. Alors, personnaliser les armes, les plateformes d'armes, etc. Emblème, environnement de la base, avatar. Emblème. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut choisir un... Ok. Je sais faire pivoter et grandir. Oui. C'est violent ça, dis donc. Rouge, c'est bien. Oui. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Ok. Couleur du cadre. Mou. Combien on peut en rajouter ces trucs là? Vous savez ça? Merde. Ah bah que deux visiblement, d'accord, très bien. Dommage. Je peux pas écrire assaut.
Pas grave, on écrira A et S, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Eh ben c'est pareil. À peu près, à peu près. Non. Non, on grandit. Nous y voilà. À peu près. De toute façon, c'est l'air, on s'en fout, c'est pas important. C'est pas important. Yeah, baby! Voilà! Parfait! Environnement de la base. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Couleur, c'est tout. Ok. À part ça? Avatar, on peut modifier quoi sur l'avatar? On peut mettre notre tronche ou un truc comme ça, non? Ah! Ouais, c'est bien. Ouf. On va pas tout... Ou ce sera peut-être pour un prochain épisode, hein, voyez-vous? Là, on va quand même avancer. Parce que mine 2, hein, bon. Bon, on va voir les missions. Accepter cette mission. On va atterrir là. Attends, danger faible. Et là? Danger faible, ok. Oui, Afghanistan, tout ça. Les versions plus développées de vos armes et objets accueillants. Ah oui. Absolument, absolument. Alors, arme principale. Voilà. Arme secondaire. On est bien. Arme de soutien. Voilà, on va tourner. Hein. Objet. Ok. Outil. C'est bon. On a tout ce qu'il faut. Coup de déploiement. Tralalalala. Parfait. Choix du coéquipier. Mr. Pony. Équipement normal, d'accord, bon, soit. Sélection du véhicule, ah ça y est. Bon bah y a pas de véhicule. Et choix du personnage. Oh yes. Aucun. Ok. Dès que possible, on s'en fout que ce soit, je sais pas quelle heure là, à la foutre. On y va. Et donc on va pouvoir avoir des véhicules et on va pouvoir avoir plein de choses, c'est super bien ça, on va s'éclater dis donc, comme des petits fous. Ça va être génial. Et presque 20 minutes pour réapprendre à jouer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, à ceux-là, aurait peut-être pu faire ça avant, tralala, tout ça. Ouais, non, parce que j'aime vous montrer tout. Oh. J'aime tout vous montrer, putain, et en plus je ne sais plus parler. Skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Deshago Calais and eliminate the target. Ok. Allez, pour me faire plaisir, je vais me faire plaisir, mon cochon, ça se peut ou pas. Nice. Putain, c'est beau, hein. Alors, voyons voir où on est, où est-ce qu'on en est là de cette histoire. Alors, non, pas du tout, non. On va commencer par là, puisque visiblement il y a un truc, bâtiment, quelque chose. Il y en a également là-bas. Avant de partir en ville, hein, directement, on va s'occuper de ce qui est un petit peu autour, à savoir les deux mini-camps qu'il y a juste là-bas. Allons-y. Et en même temps, également... Alors attends, parce que... Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Ouais, on voit un petit peu mieux. Enfin, on voit un petit peu mieux. Ah ouais, mais peut-être qu'il y a une tempête de sable, en fait, c'est ça le concept, non? Hey boss, you see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? On voit rien. There's a reward in it for us. Ah oui, on va en profiter aussi parce que bon là la tempête on voit que dalle, mais soutien d'un. Renvoyer The Horse. Ah non. Hélicoptère. Appel hélicoptère de soutien. Rendez-vous, soutien aérien, renvoyer hélicoptère, ok. Tralalala. Bon ça c'est pas un souci. La mission. Ah vous avez éliminé le commandant en machin. D'accord, et donc les autres missions ne sont pas n'ont pas apparu. Très bien. Et là on voit mais rien. Rien. C'est un truc de dingue. J'enlève le... Je l'enlève, c'est pire. C'est super beau, c'est super bien foutu, c'est juste incroyable. Vous savez quoi, on va finir un peu. Donc si on trouve des bestiaux, il faut qu'on s'en... Faut qu'on en occupe, c'est ça? Ah, ça y est. Si on trouve des bestioles, ouais. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y a les jumelles, là, il y a des jumelles. Analysis complete. Analysis complete. D, D, C, C, E, D, C, E, machin. Ok. Y'en a un qui est en train de dormir. Alors, rappelle-moi comment on marche, comment on court. Ok, très bien. Pas de soucis. Regarder s'il y avait quelqu'un là-haut, tiens. Visiblement non. On va s'en occuper assez rapidement ici, hein. Ça devrait le faire. Ouais, assez bien. J'avais pas vraiment le choix. Ouais, voir qu'est-ce qu'il peut nous dire lui. He's coming too. Roger that. He speaks Russian. What we need is an interpreter. The main principle of intelligence work is intel gathering. That's a problem if you don't speak the enemy's language. We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. Ouais. Guard post captured. Alors va le... Ouais voilà c'est ça, faut le soulever pour le sortir du truc et ensuite seulement on peut l'emmener machin. C'est cela. Ok. Là ça marche? Ça marche parfaitement, regarde-moi ça. Hop. Nice. Tip top toi. Merde, non c'est pas ça que je voulais faire. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base. On va remettre les Night Vision qui étaient vachement pratiques en fait. Ah, il y a de la plante à récupérer là. De l'absinthe, ça qui est bon. Je prends tout moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, il y a encore une plante là, voilà, c'est ça. Parfait. Et ça me paraît bien. On peut se barrer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît bien, voyons voir. On se remet sur le pony et avant de passer à la suite, on va passer par là-bas. On va se faire un petit kilomètre à deux de poney, là. Et en même temps, on va voir s'il n'y a pas des... On va voir s'il n'y a pas peut-être des... Je sais pas... alors il y a une plante, mais voir s'il n'y a pas des animaux, voilà, c'est ça. Estragon.
Nice, on est reparti. Oh, c'est l'autre sens, mon cochon. Your target should be somewhere in that outpost. Don't forget, he has a Spetsnaz recon detail with him. Keep your guard up. Alors encore une fois, c'est pas ça qu'on va faire là tout de suite dans l'immédiat. Oh mais il y en a partout des plantes, c'est un truc de dingue. Allons-y, on est reparti. Oui, on va s'arrêter un peu partout, hein. on va faire ça. Ok, il est minuit. Très bien. Extraction arrived at Mother Base. Ah, il y avait une plante encore, je l'ai pas vue. Salut. C'était ça? Carotte noire. Something of an ancestor to the domestic carrot. It's also a favorite of wild animals. Tant mieux. Voyons voir, est-ce qu'on peut pas Voilà. J'ai plus de batterie sur mon truc. Ou comment ça se passe? Et de 1. Et de 2. Fantastique. Allez, ciao. Passons à la suite. Deux bestioles en plus, je sais pas trop ce que ça va pouvoir m'amener par la suite, mais il m'a demandé des bestioles, on lui ramène des bestioles. Analysis complete. Un détachement de petits bonhommes là. J'ai bien envie d'y aller comme un bourrin, on est loin des villes de toute façon là, non? Ouais, on est en plein milieu de rien. Attends, tu sais quoi? Je vais aller comme des sacs. Voilà. La violence pure et dure. Exactement. Non mais là, fallait, pour une fois qu'on peut y aller un peu YOLO. Les deux pauvres, ils ont rien compris. Voilà, bon certes, on va pas pouvoir les emmener à la base, mais c'est pas grave. Hein. En même temps, c'était pas fait pour. Très clairement. Personne qui est là, très bien. Je me suis dit, il y avait peut-être moyen, ça avait l'air de ressembler un peu à un poste de je ne sais quoi. Finalement, il n'y a personne, on dirait. Il n'y a personne, là, regarde ça. Ok. Alors, on va laisser le poney ici. Et on est reparti. À pied. Extraction arrived at Mother Base. Animal sauvé, héroïsme. Ah voilà, c'est ça. Nice. Bon, pour l'instant, on est loin. On peut se permettre encore de courir un petit peu. Encore un bonhomme ici. Analysis complete. Ils sont pas très doués, hein, ceux-là. On va voir si on repère autre chose. Quelqu'un plutôt. Avant de passer au contact. Mais non, apparemment, y a pas énorme.
Bon, comment qu'on fait? On va attendre qu'il ait fini sa clope, celui-là, et qu'il se déplace. Voilà. Et forcément, les deux se retrouvent au même endroit. C'est normal. On va y aller. Comment on fait déjà pour faire du bruit? J'ai oublié. Non, je sais plus. Oups, non, c'était pas ça du tout. Guard post captured. Ah merde, je savais plus comment on faisait du bruit, c'est... Désolé. Et d'ailleurs j'étais extrêmement silencieux, j'étais complètement dans mon truc. N'empêche que ça a marché. On les a chopés. Mais ouais, non, je savais plus du tout comment... comment on faisait. Bon, c'est pas grave. Voilà, parfait. Il y avait des caisses encore, j'ai vu, voilà, c'est ça. Avec ceci peut-être? Non. Ah, okidoki, c'est tout ce qu'il y a? On dirait bien. Bah ok, parfait. Bon, voyons voir à quoi ressemble ce camp dans quelques mètres là. Voir si on peut encore faire ça dans cet épisode ou si je dois zapper ça et faire ça dans un épisode future. Ah bon, en fait c'est le camp que j'ai fait, très bien. Ok. Bon ben ça c'est fait, j'ai envie de dire. Non pardon, c'est ça que je veux faire depuis avant. Ok, bah du coup il faut qu'on s'attaque maintenant à la grosse ville. Mais ça les amis, ce sera pour un prochain épisode. Je vais juste faire un petit tour encore autour s'il n'y a pas s'il n'y a pas 2-3 trucs à se récup, à se mettre sous la dent là. The what project? Ah bon vraiment? C'est vrai. Je suis d'accord. On va faire un petit tour par là-bas, vite fait. Bon, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Je peux pas se remonter. Allez, hop, vas-y, fais le tour, mon cochon, là. Fais le tour, parce que... Pas des plantes, pas d'animaux, pas de trucs funky un peu là. Que dalle. Waouh, c'est un beau désert ça, dis donc. Ah oui, là tu pourras pas sauter en effet. Fonce par là-bas, tu peux le faire. On va voir si on n'a pas d'autres petites bestioles rapidement là à se mettre sous la dent ou quelque chose. Même pas des plantes, rien du tout. Sérieux là? Non. Avance, 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 fonce.
bien, nous n'avons pas grand chose. Bah, je sais pas où je vais, moi je visite, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, j'ai bien vu. Bah, c'est pas grave, je visite. Je m'en fous, moi, je t'emmerde. Je fais ce que je veux, mon cochon. Absolument. Et on a rien, c'est bien dommage. C'est un joli désert avec rien. En même temps, désert, tout est dans le nom, quoi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a un peu ma tête en plein milieu de l'item. Bon, en même temps, grâce au fond, vous pouvez voir ce que c'est quand même. Donc ça va. Est-ce que je peux passer par là ou c'est encore la sortie de truc? Non, je peux passer par là. Ça, on aura bien fait le tour. Et dans le prochain épisode, on pourra s'attaquer directement à la ville au centre. Voilà. Bah d'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la série. Ça fait maintenant un moment qu'il est sorti, le jeu, etc. Et qu'il y a probablement beaucoup de gens qui l'ont fini 5 fois, je pense. Bah voilà, moi j'ai perdu beaucoup de temps suite à mes problèmes médicaux. À cause de mes problèmes médicaux, en fait, où j'ai perdu le plus de temps. On va dire. Et donc voilà, je viens de voir le niveau de batterie qui est en dessous, en fait c'est une barre, d'accord, très bien. Vous ne pouvez pas la voir parce que ma tronche est là, mais regardez, non, toujours pas. Voilà. Tu l'as vu la barre ou tu l'as pas vu? Très bien, j'ai même pas regardé d'ailleurs où j'allais, et je n'ai même pas regardé s'il y avait des choses autour de nous. Ah, hold on. Pourquoi tu continues à... Voilà, c'est ça, wow, wow. J'ai l'impression qu'il y a grand chose. Non. Dans l'autre sens, cucu. Dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Ok, il n'y a rien. Parce qu'on a quand même fait une bonne partie. Et je vais pas faire toute la carte non plus. Mais on a fait une bonne partie, je pense. Et on a rien trouvé de spécial. Du coup, je vais laisser courir. Ouais. Ok, je vais m'arrêter là. Les amis, prochain épisode, on va se faire gentiment la petite base sympatoche, ou la ville même, limite, parce que bon, c'est là on appelle ça une ville, carrément. Ouais, on va se faire cette ville, et on va voir à quoi ça ressemble. Moi, je vous laisse ici pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup.